Ah ouais, comme ça en vrai. Comme ça, bordel. Me suis fait strike? Comment ça, je me suis fait strike? Attends. Eh non. La panique, mon gars. Il est reparti? Pendant un bref instant, bah c'est quelqu'un qui a signalé, tu vois, pour discours. Attends, c'est marqué, je crois, regarde, appuie sur signaler. Et tu mets. Tu regardes les trucs, mais bon, c'est pas grave, tu vois, c'est du comique ironique, donc. On s'en fout. J'ai peur, mec. La potence. J'ai tremblé. Non, non, je déconne, mec. C'est de la déconnade 100%, mon gars. Non, c'est peut-être un drop, tu vois. Un drop, sûrement. Drop de Twitch ou alors. Moi, j'ai zéro image perdue sur mon truc. Mais il y a des drops en ce moment sur Twitch, hein. Il y a des drops. Je crois que la plateforme, elle est. Elle est à son paroxysme. Les charges du serveur sont utilisées au max. Je saurais être reconnaissant. Investissez, bande de bâtards. Mettez du pognon sur la table. Mettez des gros serveurs, bordel. Des racks, on veut des racks. Des racks de mort. Je crois, mec, elle a jamais été autant utilisée. Ouais, ils sont au bout du rouleau, là. En vrai, tu sais, ça va tellement vite sur Internet que les infrastructures sont vite sous-dimensionnées. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que je peux acheter là? Attends, 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 on se calme. Shift, contrôle. Shift, contrôle. Mais non, shift, ta mère. Voilà, ta mère. Attends, c'est là. Ah ouais, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Donc ça, c'est les compétences quoi, bouclier? C'est un dessin de bouclier, ça, on est d'accord. Ça, c'est les compétences de l'arme. Je suis sûr, il faisait exprès, mec. C'est comme pour créer une queue artificielle devant une boîte de nuit, tu vois. Entrée gratuite. Pour les femmes, à partir de 22h, tu vois, comme ça, t'as une grosse queue à 22h. Puisque minuit, 1h du matin, tu vois, jusqu'au milieu de la route, t'as une queue interminable et ça attire plus de monde. Ils font pareil, mec, avec les serveurs. Serveur plein, file d'attente. Non, je pense qu'en vrai, ouais, ils sont dépassés par les événements, tu vois. Il y a un pic. Le pic de Dante, bâtard. Il y a le pic de Dante, tu vois, qui nique tout. Bon, j'achète quoi, là? De la rage? Restaure une partie du courroux de guerre. Penchant démoniaque. Attaque orbitale. Attaque au harpon. Un coup rotatif dans le dos. Enchant démoniaque. Je sais pas quoi prendre en vrai. Prends la rage. Tu es tout aussi sage que puissant.
Ah, tu... C'était Draenor, mec. Bloqué dans le fief. Pendant un timer, en fait. Bloqué dans le phasing du fief. Et débloqué le... au reset des serveurs le mercredi prochain. Ça te déglingue, mec. Le Gwent, moi, je kiffe, mec. Même la version de Witcher Tell, là, je me suis régalé de ouf, tu vois, mais ouais, c'est... Comme ils ont pas les retours... les ventes ou les retours espérés, tu vois, du coup, ça... Ça marche pas, ouais. Après, les explications sont pas forcément rationnelles, tu vois. Je dirais d'un point de vue rationnel... Leur erreur stratégique, c'est la plateforme. La plateforme, tu vois, parce que leur plateforme est beaucoup moins populaire que Steam, par exemple. Tu vois, GOG, même si le principe est bien, tu vois. Elle est moins populaire, donc il y a ça, tu vois. Et le support. Pour moi, tu vois, leur plus grosse erreur, c'est le support. Le jeu devrait être sur mobile et Switch et tablette. Tu vois le truc? Ils auraient fait un carton, mon gars. Mobile, tablette, il faut un carton. Il y a ça, et après leur politique marketing, tu vois, commerciale. En fait, elle est très classique, tu vois. C'est des règles projets qui sont très verticales. Bah, ils sont devenus très verticales. Et on l'a vu avec Cyberpunk, elle est la presse spécialisée, les youtubeurs spécialisés, tu vois. Avec un développeur qui joue devant le jeu, le journaliste s'y regarde, tu vois, un truc vachement vertical. Et ça aussi, c'est une grosse erreur. La plateforme et la direction, tu vois, marketing qu'ils ont choisi. En vrai, ils sont pas encore assez gros pour faire un truc totalement vertical, tu vois. Ils sont pas assez lourds encore. Bah, ils sont pas assez gros aussi, mais ils sont pas assez... ils pèsent pas assez lourd, tu vois, pour se permettre de faire du Sony ou du Rockstar ou, tu vois, en marketing. Truc super vertical comme ça. En plus, c'est un peu contradictoire avec leur politique genre éthique, tu vois, un peu jeu sans DRM. Là, c'est contradictoire en fait avec ça. C'est pas cohérent, tu vois. Donc du coup, il y a ça, moi. Après, c'est mon avis, hein, c'est pas... Ça et la plateforme. Et après le reste, tu t'as pas de pouvoir dessus, tu vois, c'est irrationnel, quoi. Tu peux pas... Tu vois, les goûts, tu vois, du grand public. Ça, tu peux rien faire, tu vois, ça c'est dans l'émotion. Je peux pas trop intervenir là-dessus, quoi. Mais après, pour ouais, la plateforme, clairement ça, et puis le marketing complet, c'est pas cohérent avec leur image, leur politique éthique de standard, tu vois, de départ, quoi, de base. Mais j'avoue que fou les musiques. Même l'univers, tout, tu vois, les cartes, elles font vachement jeu de rôle, tu vois, les cartes du Gwent. Et dans Witcher Tell, lier ça avec l'histoire, tu vois, ça claque. T'as des putains de doublages en plus, les doublages sont super bons. Non, c'est sympa, tu vois. Après, le prix, je sais pas, tu vois, il est peut-être un peu...
Bah quoi que ça va, je crois, 20 ou 25 euros, je sais plus, je crois, je l'ai payé 20 euros, je crois, 20 ou 25, je sais plus, hein. 25 dollars, je crois, 25 dollars, je crois. Ok, j'ai tout acheté, là, je peux plus rien dépenser, non? Donc je me barre de là, en vrai. Faut que j'aille là-bas. Il faut que je ramène des âmes, c'est ça. En vrai, faut que je bosse pour bosse pour le diable, en vrai, là, dans Darksider. Ou alors il essaye de me tromper, quoi. Et il faut que je choisisse de faire soit le mal, soit le bien, c'est ça. Toujours pas compris le... Si c'était vraiment un ange ou un démon, ou si c'est un guerrier de l'apocalypse, c'est bizarre. J'ai l'impression que tu peux choisir si tu fais le mal ou le bien là. Sérieux? Est-ce qu'il est sérieux? Ah non, il faut que je... Je suis venu pour le destructeur. Faut utiliser la corne. Malédiction me retient ici. Je Putain, j'ai une compression dans la poitrine, mec. Crise cardiaque. Les malédictions peuvent être brisées. Oui, peut-être. Les serviteurs du destructeur sont invisibles dans le royaume des ombres. Par leur sang, nous sommes liés. Par leur sang, nous serons libérés. Je ne peux plus. Là, j'avais même pas vu le message de Chocapic. Investir Rogash, c'est investir fini. Intelligent. Soyez comme moi, investissez. Je te donne le pouvoir de lire dans le royaume maudit pendant un temps. Mais à quelle fin? Ce message de propagande. Ce n'est pas l'espoir qui vous donnera la liberté. Oui. Ah.
se cachent ces rôdeurs des ombres, et tue-les tous. Ils ne peuvent pas être si durs à trouver. Ah, c'est les espèces de sources là. Ah, les œils de Sauron, mec. Sauron démarre. J'arrive, bâtard. Je crame. Ah, je suis carrément dans un monde parallèle là. L'armée des morts. Vainquez 40 ennemis dans le temps imparti. Soyez rapide pour gagner des âmes supplémentaires. Pas 3 minutes, ça va, non? La muerte. Jean l'Apocalypse. Allez. J'ai failli me faire déglinguer quand même, non? J'ai toujours su que tu avais ça en toi. D'accord, je dois faire quoi là? Full loot. Full loot. Ah, il faut que je retourne. Ah oui, il faut que je fasse chaque œil en fait qu'il y a sur la map. Donc là, il faut que je me casse d'ici.
Ah ouais, juste en face. Ouais, donc il faut que je fasse toutes les failles qu'il y a sur la zone. Maintenez mâche gauche pour vous concentrer. C'est quoi ce clip? Au reset des serveurs le mercredi prochain. C'est déglingue, mec. Le Gwent, moi, je kiffe, mec. Même la version de Witcher Tell, là, je me suis régalé de ouf, tu vois. Mais ouais, c'est... Comme ils ont pas les retours... les ventes ou les retours espérés, tu vois. Du coup, ça... Bon, j'ai une bonne voix de paysan, en vrai. C'est parfait, mon gars. C'est parfait, mec. Une bonne voix de paysan. Investir Rogue H. C'est investir intelligent. Soyez comme moi, investissez. Soyez comme l'eau, Bruce Lee, mec. Be water, my friend. Soyez comme l'eau, adaptez-vous au récipient, bordel. Soyez comme l'eau, adaptez-vous au récipient, bordel. Gens de l'Ouest. Tiens, tiens. Tiens. Tiens, je te tranche, t'es mort. Voilà, bâtard, mange. Boum. Attends, je dois en tuer combien là? 5? En 2 minutes? Pourquoi ça compte pas? Ça me compte que 1 sur 5. Ah, c'est 5 vagues peut-être, non? Ou alors j'ai rien compris. Ah, ça compte pas à chaque fois, hein. Bugué, non? Qu'est-ce qui se passe? Je les tue, le compteur monte pas. Bande de bâtards, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, bande d'escrocs. Rends-moi l'argent, bâtard. Paye. En bourse. C'est des vagues, je crois. Je les tue pas assez vite en vrai, non? C'est vraiment son nom, la guerre ?
Guerre n'a pas réussi à lui définir sa reine des ombres. Original. Original. L'échec doit être naturel pour toi. D'abord l'apocalypse, maintenant ça. Non, laisse-moi... Laisse-moi découvrir, bordel. Je vais lire le message. Maintenez majuscule gauche pour vous concentrer. Ah ouais. Maintenez X pour lancer des ennemis en l'air. En l'air, appuyez plusieurs fois sur X. Battez 5 ennemis avec des combos aériens. Ah bah c'est pour ça. Je l'avais pas lu. Ok, j'ai raté là. Voilà. Voilà. Tiens. 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 Voilà, gens de l'Ouest, gens Sider, gens des côtés. L'œil de Sauron, je le baise. Tac. Ok, donc il m'en reste deux, non? Des failles. Voilà, tu vois, par exemple là. Plagiat du Seigneur des Anneaux, mec. Prends l'argent, bâtard. Prends l'œil. Ok, donc là, on va là. Le VIP. Le diamant violet. À 50 là. Ah ouais, là ils sont. Ils ont passé un cap, mec. Ils ont passé de 5 à 50. Pas le temps de. Pas le temps de rigoler. T'as vu le statut VIP Shokapi? Tu peux mettre un statut VIP sur ta chaîne maintenant.
Tiens. Fiaon. Allez, tiens. Allez, tiens, bâtard. Il est où le gros lard là? Allez, 50 sur 50, qu'est-ce qu'il y a, bâtard ? Le 50-50, mec. Le contrat. Ok, donc là on peut se barrer d'ici. Les petites et faibles créatures peuvent être tuées instantanément. Assommer les créatures plus imposantes avant de pouvoir les achever. D'accord, appuyez sur E pour tuer une créature, nanani. J'ai 30 ennemis avec les attaques fatales de guerre. D'accord. Donc avec le E quoi. Ah ouais, tu peux genre...
saute. Je peux pas l'attraper lui. Ah ouais, parce qu'il y avait pas la tête de mort. Putain, quel beat. Allez, viens. Allez, tiens. Oh, c'est sérieux là, les patates de forain que je prends? T'es mort. Allez, tiens. Ok, donc là on est bien. J'ai fait toutes les failles là.
Donc il faut que je retourne voir le... Ça devait être le dernier. Tirons-nous d'ici. Le suceur d'âme. Mais par où on passe, bordel? Putain, c'est cher, mec. 130 euros. Mais 130 euros par quoi? Par mois? Pourquoi 130 euros? Il y a du quota ou quoi? La data? Ah, c'est chaud quand même, 130 balles. J'avoue qu'en France, on a de la chatte en vrai. On a des offres universelles, tu vois. On a un système universel, quoi. Y a pas de... C'est quoi qu'au début, au tout début des années 2000, le début de la DSL, tu sais, il y avait des quotas sur la data, tu vois. Mais depuis qu'on a les offres illimitées, c'est du 40 balles tout compris, quoi. Même moins, tu vois. À 130 balles, quand même, ça fait une somme, hein. Ça fait plus de 1200 boules par an, quoi. Pourquoi c'est si cher en Belgique, ouais? Je comprends pas, hein. Ouais, parce qu'ils sont tout seuls, quoi. Il y a qu'un un acteur. Tu peux pas prendre internet sans la télé? C'est pas moins cher ou quoi? Allez, tiens. Ah ouais, le mat, ouais, j'avoue. Et pourquoi tu prends pas une, tu sais, une Android Box, là? Avec les chaînes gratuites. Cody TV ou je sais plus, là. De l'ouest, le sauteur. Plan de l'ouest, le sauteur. En vrai, j'ai juste à rester enfoncé sur barre d'espace. Cassage de porte.
Tiens. Ouais, t'as les trucs comme Kodi TV, tu vois, c'est des applications là sur Android Box. Tu prends une petite box Android, tu vois, genre. T'as même Xiaomi, je crois, qui fait des box comme ça Android. Et t'installes tu peux installer tout un tas d'applications, tu vois. Regarde sur Amazon, tu mets Xiaomi. Xiaomi Box TV ou. Xiaomi. Putain, je sais plus comment elle s'appelle, faudra que je regarde. Quoi ce bordel? Attends, je suis venu par là? Ah ouais, je suis revenu. Je suis dans une boucle infinie, mec. Tiens, bâtard. Non, je suis censé aller où là? Le nord? Quoi ça? Ah, il faut que je monte. Il est en hauteur, Tiamat. Ou alors j'ai rien compris. Allez, tiens. Tiens. Masse âme. Ah ouais, c'est ça. Sérieux là? Jean Sauter. Suicide Man, mec. Je meurs et après je recommence.
Collectez 4 éclats pour créer une pierre de vie qui augmente la santé maximale. D'accord. Les ailes de la mort. Un démon avec des cornes, mec. Original. Ah ouais, faut que je prenne la fuite, c'est ça? La fuite ou je jette des voitures dans la gueule, je crois. Calme-toi, Jean-Marie. Ah non. Alors comment on se barre? Là, si je saute, je meurs. Tiens. Ah, ils mettent des sacrées patates de forain. Ah, fallait peut-être que je me barre à gauche là. On peut pas le tuer, non? Allez, tiens! De toute façon, j'avais pas le choix. Jean Sauteur. Donne-moi des âmes. Donne-moi des âmes, bordel. Là, c'est fermé. C'est portaillé, mon gars. Il est en dessous? Non. Elle est au-dessus de ça. Mais comment j'ouvre le portail? Jean Portail. Corne.
Putain, comment on ouvre ce portail? Je sais pas en vrai. Trouvez Tiamat et prenez son cœur. Ouais, je veux bien, mais... T'es bloqué par une porte, bâtard. Non, je suis venu par là, on est d'accord? Il y a peut-être un truc à ramasser, non? Venu par là, tac. Tac. Ah ouais, c'est quoi ça là? Faut peut-être que je grimpe au-dessus, non? Non, je peux pas. Ça fait halt. Je sais pas si je peux le faire en l'air. Eh non, pas comme ça. Je vais m'auto-tuer, mon gars. Jean de l'Ouest. Non, tu peux pas. Tu peux pas charger en double saut. Alors faut que je passe par en dessous, tu vois, j'ai peut-être pas le choix là en vrai. Allez, donne-moi de l'âme. Ou alors il faut des âmes. Voilà, de la baston de la mort. Découvre Darksider en 2018. Bienvenue mec. Il est jamais trop tard mon gars. Non mais tu le trouves pas cher hein, maintenant. Tu le trouves vraiment pas cher. Une poignée d'euros mec, je crois que je l'ai payé 4€. 4€ ou 5€, je sais plus hein. T'as le 2 aussi, hein. T'as le 2 et t'as le 3 qui sort à la fin du mois. Mais moi, je crois que je l'ai acheté l'année dernière, je crois. T'es en hibernation, mec. Moi, j'ai environ 12 ans de retard avec Warcraft. J'ai 12 ans de retard à rattraper. Ouais, c'est ça, j'avais pas assez d'âme en vrai pour ouvrir la porte. De la mort. Par ici. Je n'ai rien. Un truc de tes... Pourquoi j'ai passé la cinématique? C'est GG mec. Appuyez clic gauche pour tirer. Gardez clic gauche enfoncé pour marquer vos ennemis. Avec un tir à tête chercheuse. Ok. La bombe mon gars, c'est de la bombe.
Tu vois par exemple ça, regarde, l'AIM, regarde, tu vois ça? Ça avec un joystick, c'est la guerre, mec. Là avec la souris, c'est... Finger in the nose. Finger in the nose. Finger in the nose. En vrai, si tu prononces en français, c'est impossible. Ah ouais, tête chercheuse, carrément, quoi. On pas le temps de... On pas le temps, mon gars. Elle est sérieux là? Je dois tenir combien de temps là? La muerte, la muerte. La muerte, mon gars. Ah non, lui il est avec moi. Allez, tiens. Thank you.
À jamais tu crèves là. Voilà. Bâtard de mort, bâtard de mort. Ok. 4000 âmes. Non, 3833. Allez, tiens. Baston. Cathédrale obscure. Tiamat, je suppose. Je crois qu'elle n'est pas d'humeur à nous recevoir. Ah bon? C'est pas grave, on va la niquer. On est prêt. On va la trancher en morceaux, bordel. Après Mève la sanguinaire. Le côté sombre. Darksider. Sombre côté. La face cachée, sombre. Ok, bon là on est bon. Mais où est-elle? Ah mais elle est là. Il y a une porte, la base mec. Il y a une porte. Voilà. Et sa statue là. Par ici. C'est quoi ça? Excalibur. Une épée de cristal aux gravures élaborées identique à celle que portent certaines statues dans les cathédrales. D'accord, et après je fais quoi? Ah c'est juste une épée quoi. Vol d'ombre. Contre-attaque. Les réflexes de guerre ont été réveillés, lui permettent de contrer une attaque physique ou projectile appuyé sur Alt gauche juste avant l'impact. Ah ouais. Et là? Ouais, les ailes c'est bon. Et si je fais Alt gauche, la contre-attaque en vrai. Ça c'est quoi? C'est une épée en feu. Les compagnies passe-partout pour les titres des films en France avec vos traductions de ces morts.
J'ai pas ouvert encore ma compagnie de... Le traducteur du futur, mec. Mot à mot. Traduction mot à mot. Pour les productions internet. Ça reste devant Google Translate. Je suis censé faire quoi là pour ouvrir cette porte? Vu qu'il y a de la flamme ici, non? Là, elle a une épée, genre de mort. Comment on prend son épée? Non? Jean? Jean Valjean? Il m'a dit viens là. Il m'a dit viens là, on est d'accord. J'ai pris l'épée. Et après. Ah, fallait que je nique la statue, non ça? Ah ouais, d'accord. Hein. En vrai, il faut que je baise la statue. Ça existe pas, non hein. Il y a les nécrophiles. Ceux qui baisent les morts. Mais les mecs qui baisent les statues, ça existe pas. La pierre, il n'y a pas de... Pas de truc comme ça, non? Non, je peux pas la briser en vrai. Ah, action. Les statutophiles? D'accord. Statutophiles. En vrai, il fallait mettre l'épée dans l'autre statue. La base, mec. Statutophiles. C'est quoi ce... Ah, une tumeur géante. Regarde. Une tumeur géante suspendue, mec. Ferropathe, vous. Ferrovipathe, d'accord. Handspotting. Handspotting, nous. Ferro... Putain, c'est de la merde, ouais. Ferrovipathe. Ça me fait penser au train, tu vois, ferroviaire, ferrovipate. Ah non, le fer. Ouais, mais le fer, c'est pas de la pierre. Ah d'accord, je me suis auto-suicidé, là, ça. Je me suis jeté dans la lave. Ah, c'est des titres de films, d'accord. Oh, c'est chaud, mec. Ferrovipat. Allez, tiens. Le double saut. Putain, j'ai froid, bordel. Je sens le froid se venir du sol, tu vois. Au pied en vrai là. Putain, ça saoule de ouf. Putain, c'est une bonne idée ça, mec. Des bottes rembourrées, mon gars. Ouais, donc là faut que je trouve les épées déjà, non? Avant de pouvoir ouvrir les portes. Ok, donc en haut nous avons une tumeur géante. Elle va lâcher un caillou géant sur ma gueule, non? Même pas. Là-bas, c'est fermé, on est d'accord? Non, je suis arrivé par où? Moi je suis arrivé là-bas. Là-bas c'est fermé. Et ici c'est bon. Botte à fourrure d'ours. Je
Tiens, je vais te montrer ma fourrure, moi. Regarde. Tu veux voir de la fourrure? Allez, rentre chez toi. Combien sont-ils ? Attends. Ok, 4000 âmes. J'ai ouvert une porte. Oh là 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 là. Est-ce que je peux ouvrir l'âme là ? J'ai assez d'âmes pour ici. Non, j'ai pas assez d'âmes. Donc il faut que j'absorbe des âmes de la mort. Merde, c'était quelle porte, celle-là ou l'autre? Ouais, c'était celle-là. Oh. Lancer cette bombe gluante sur des objets ou des ennemis avant qu'elle n'explose. Faut faire ça, genre. Merde, non, c'était pas ça que je voulais faire. Un GG, quoi. Ah ouais. Ah, c'est bon, elle réapparaît. Ah oui, je peux changer la caméra, genre. Je peux la mettre comme ça ou comme ça. Génie. Oh, il y a un coffre de la mort là. Restaure une partie du courroux de guerre. En tout cas, ça se joue bien quand même, c'est fluide. Fluide, simple. Comment ça, bâtard? Relève entièrement la carte locale de la zone où vous trouvez. Appuyez sur O pour afficher la carte locale. Ok. Et sur O. Frisson. Il y a une bombe là, non? Faut que je tire dessus peut-être, je sais pas. Non, calme-toi. Hein. Ok, donc là d'après eux, action. D'accord, donc j'ai fait un trou là.
Comment je fais là-bas pour prendre la boule? Ils m'ont fait flipper, mec. Crise cardiaque. Une palpitation. Là, si j'avais un traitement de bêta bloquant, c'était urgence, mec. J'aurais pu mourir sur cette scène. Faut que je la lance de l'autre côté en vrai. Faut que je passe de l'autre côté. D'accord. Attends, est-ce que je peux ouvrir la porte? Est-ce que j'ai assez d'âme pour la porte? Non. Ok, il y a de la lave. Donc s'il y a de la lave, il faut sauter dedans, non? La base. Allez, tiens. Allez, on l'a... Ah ? C'est quoi le truc en haut là ? On l'a lava tomotisé. Lava tomotisé, mon gars. De l'observateur. Je crois que je pourrais pas acheter des compétences tout de suite là. Et quand je pourrais voir le mec où t'échanges les âmes là, pour acheter de nouvelles compétences. Attends, je suis arrivé là. Ça c'est quoi? Là je peux pas aller plus loin, on est d'accord. C'est des trucs rouges. Est-ce que j'ai assez d'âmes par contre pour ouvrir au-dessus là? Ah ouais, mais non, faut pas que je revienne en arrière si. Il y a anguille sous roche là, non? Comment on pète la chaîne? Ah, c'est peut-être ça là. C'est quoi le truc de pugilat là? Comment on l'utilise ça?
Il y a un truc là, un icône près de la map. Un lancer, je pense. À mon avis, il faut que je l'équipe, non? Artefact soldat. Comment on utilise ce truc là? Ça, là à côté de la minimap. Or c'est une clé. Ouais, ça là, comment on utilise tu vois, ce truc? Porte qui peut être ouverte. Ah ouais, d'accord. Juste pour me dire que la porte là, elle peut être ouverte. Ouais, mais je l'ouvre comment? Ou alors elle s'ouvre de l'autre côté quoi. Ouais, faut que je me barre je pense. Ça doit être la porte avec les âmes là. J'avais pas tué lui. Allez, crame, bâtard. Et là, j'ai assez d'âme. Allez, tiens. Il fallait massa main pour ouvrir cette porte en vrai. Peau de la mort. Ok. Et ça c'est pour le lock. Ah là je les lock là, d'accord. Hein.
Allez, tiens. Il y a l'épée à prendre derrière. Jean Valjean. Jean Valjean. Allez, chauve-souris, tu meurs. Épée. Oh là là. Les puzzles, mec. Puzzle master. Ah, c'est la tumeur contre l'ange. Il se fait bouffer. D'accord, je peux pas tout de suite. Non, attends, calme-toi, j'ai une idée là. Wow, GG mec. Je me suis auto... auto-bombé, non? Auto-bombage. Jamais tu crèves. Allez, tiens. Mais je peux pas le tuer lui vraiment. En haut. Je suis arrivé par là ou de l'autre côté? Je sais plus. Non, ça va m'exploser dessus là.
voilà, il fallait mettre l'épée là en vrai. Du génie, mon gars. Puzzle man. D'accord, là je peux monter en l'air. Et là-bas je peux monter en l'air. Un double montage en l'air en vrai. Attends. Jean. Jean Valjean. Ah, pourquoi j'ai bougé? Oh là là. Le talisman représente la classe d'élite des artefacts de la Légion. Seuls 6 de ces icônes ont été raccordés aux champions qui commandaient les Légions des Enfers. Rendez-le à Vulgrim et il vous récompensera. Ok, pas de problème. Pas de problème, Vulgrim. Non mais comment je vais là-bas? En face? Ah non mais non, je vais pas en face en vrai. Il me faut des âmes là. Waouh, GG. Cette maîtrise du double saut, mec. Le jumper. Ah, faut utiliser les ailes. Les ailes de la mort. Je comprends rien, ce platformer de merde. D'accord. Et là, il n'utilise pas d'ailes. De l'ouest. Ah, parce qu'il touche le rebord. D'accord, il a touché le rebord. Donc s'il touche le rebord, il peut pas mettre les ailes. Ok. Et là, je pousse la statue, c'est ça? Pourquoi je la pousse? Comment? Comme ça? Je la fais tomber, quoi. Je sais pas si c'était une bonne idée en vrai, non? Ah si, c'est une très bonne idée. Après tu fais ça. Oh, il y a un trou là. Ouais, d'accord. Là. Et après je grimpe par ici normalement. Spam init. À droite. Ah ouais, là je suis au... D'accord. Tiens. La bombe. La bombe de tes morts.
Et donc logiquement. Le trou de la mort. Ici il y a des pierres. Est-ce qu'il y a une sortie? Non. Bordel. Aspire-moi de la life. Je suis en crise. Non, je descendais, non? Dans les profondeurs. Voilà, c'est ça qu'il me fallait. Les âmes de mort. Ok, donc je suis censé avoir quoi là? Jean Valjean. Les 5 têtes, 6 têtes, les 6 têtes de l'étoile ninja, ça. Une lame de lancer finalement forgée pouvant atteindre des cibles multiples. Passer en mode visé en appuyant sur A et sélectionner jusqu'à 5 cibles. Ouais mais c'est Q moi, c'est pas A. En maintenant mâche gauche. Clic molette. Ah ouais, pour balancer, c'est bon, je crois que j'ai capté. Non, mais non. Ah, mais c'est jusqu'à 5 cibles. Ah oui, c'est mâche gauche, d'accord. Hein. Ok, attends. J'ai rien compris en fait au truc d'un lancer là. Ah, c'est si je veux la verrouiller, d'accord. Ouais, mais ça me dit pas. Parce que 5 cibles, comment ça? Ah oui, en restant. D'accord, putain, mais ouais. En restant, clic molette, quoi. D'accord, je la verrouille en restant appuyé sur le clic molette. Jean Valjean.
Bon là on est ok. Allez. Une tumeur géante, mon gars. C'est quoi? Ah, pour viser? Oui, mais où? Ah ouais, ici, là, non? Ah ouais. Puzzle system. Impossible de l'attraper? Ah d'accord. Action. Ah non, il y a un délire. Ah, il faut péter ça non au boomerang. Donc je passe de l'autre côté je crois. Alors là. Il y a un truc à droite aussi. L'épée de ses morts. Boomerang. Oh là là, du génie vidéoludique. Tong. Tong tong. Donc je suis arrivé par là. Ah oui, je peux pas monter par là en vrai direct. T'es bien d'accord hein. Je peux pas faire. Si. Mais non, c'est la muerte. Par contre, je peux passer par là, quoi. La lame boomerang
peut absorber l'énergie des cibles qu'elle frappe. Appuyez sur A pour viser, puis lancer avec la lame. Pic molette, faire une source d'énergie. Marquer plusieurs cibles, transférer l'énergie de la source aux autres cibles. Donc genre, je peux faire... pas faire ça. Et ça. On va se taper sur la majuscule pour verrouiller. Ah ouais, je fais tomber les plateformes en vrai. Et donc ici. Trop facile là, ça sent la baston mec. Je suis arrivé d'en haut. Je suis arrivé d'en haut là. Ouais, je suis arrivé là. J'ai un passage là-bas. Et une porte ici. J'ai deux passages même. D'accord, donc là je peux aller au fond. Après je peux pas remonter quoi. Non, on se calme Jean-Marie. Calme-toi Jean-Marie, calme-toi. Et si je vais là? Il y a deux trucs à actionner là. À gauche et à droite. Sinon, après si je saute là, comment je fais pour remonter? Et je vais chercher le truc vert en bas. Ah ouais. Là j'ai une bombe, Bomberman. Il faut que je la lance là genre. Lancer cette bombe gluante inactive sur des objets ou des ennemis, utiliser du feu pour l'activer. Feu ?
pas de feu, moi. Bon, comment je fais pour l'activer en vrai? Vu que j'ai pas de feu. Ah, ou alors il faut que je balance le boomerang dans du feu. Ah voilà, interaction mec. La flamme dans le truc. Ok, donc maintenant je peux actionner le mécanisme. Ah mais il fallait que je me mette sur le pont, non, avant que ça... Ok, il bouge automatiquement. Jean, Jean Valjean. Où il y a de la flamme. Ah mais non. Je suis nul ou... D'accord. C'est le contraire.
Comment je fais alors pour la mettre en flamme? Pour utiliser la flamme? Ça pète en haut. Normalement, je devrais toucher la boule en flamme. Si je fais l'inverse, ça marche pas. Si je fais de l'autre côté, ça marche pas non plus. Alors, je suis zéro quoi. Ah, ou alors c'est en face déjà, putain. Quel bitos. Ah mais non, fallait que je vise le truc en flamme. C'est pas ça. J'en mets deux, non? Comment j'ai fait tout à l'heure? Ah mais non, je lance juste mon boomerang dessus en vrai. Voilà. Je suis une bite, fallait que je fasse ça sur l'autre. Le boomerang et après il touche le. Il s'enflamme. Il touche la bombe. Ennemis de la mort.
Alors attends, là, Boomerang. Oui, mais il y a une boule. Bordel. Donc je peux pas juste faire passer le boomerang en vrai. Ça fait quoi là? T'as rien fait non? En vrai. Alors j'envoie ma boule sur le feu. Je peux pas vraiment la faire venir d'au fond quoi. Je peux pas toucher la flamme au fond, impossible. C'est les pierres autour qui posent problème, non? C'est quoi ce truc de merde? Non, c'est l'inverse. Parce que quand je touche, elle explose. Ah, ou alors il faudrait que je monte sur le mur là. Pas.
c'est pas ça. Ce n'est point ça. Là, je vois pas, là, je comprends pas. Pour péter ça, faut bien que je mette une bombe, mais il y a des pierres là autour. Pourquoi elle rebondit pas, j'ai l'impression, non? Pourquoi elle rebondit pas? Alors il faut en mettre 3. Parce que si ça touche la bombe avec la flamme, elle explose tout de suite. Ça me sert à rien cette bombe quoi, ou alors faudrait que je sois en hauteur. Si je touche lui en premier et lui en deuxième, voilà, elle va péter instant. Je prends pas la flamme en vrai. Pas du tout comment faire là. J'ai aucune flamme à porter. Alors j'ai oublié un truc là-bas, tu vois, c'est possible.
Comment je pète la porte là-bas? Je peux pas le prendre. Pas la flamme. Que je puisse attraper ça, quoi. En hauteur. Ah, moi que je puisse passer. Mais non, la lave, elle est pas enlevée là-bas. Ah non, je peux pas passer de l'autre côté, non? Dessous, c'est pour aller en face. Ici, ça doit être un truc tout con, mais... Blocage mental. Non, faut que je sois en hauteur là pour attraper ça, c'est pas possible. Ah, je peux peut-être le monter d'un cran, non? Peut-être monter le truc d'un étage, c'est ça? Non, même pas. La putain de t'es mort. Grosse putain de t'es mort.
Ouais, j'ai essayé, tu vois, mais j'arrive pas à sauter dessus en vrai. J'arrive pas à grimper dessus. Peut-être la mettre plus bas, tu vois. Bah là ça marche pas en fait, l'enchaînement en haut, tu vois. Là celle qui est au centre, qui est enflammée là, elle explose tout de suite, elle rebondit pas sur les autres en vrai. Là il y a des pierres autour, tu vois. Elle explose en premier. Ouais, si je mets une bombe collée à elle, elle explose, tu vois. Ah ouais, il faut que je les mette en chaîne en vrai là, l'une à côté de l'autre, quoi. D'accord. J'ai pas pensé à ça. Tiré par les cheveux, mec. Non, parce que tu peux faire rebondir en fait. Tu vois, sur le truc d'avant, tu fais passer la. Le. Merde, l'étoile ninja dans la flamme. Tu vois. Après, elle touche la bombe, elle explose. Donc tu peux cibler jusque 5 bombes comme ça, tu vois. Donc je ciblais la première et la deuxième, sauf qu'elle pétait direct, quoi. J'ai pas pensé à la faire exploser proche. Proche, c'est jusque 5 bombes. 1, 2... Tiré par les cheveux, ces bâtards. Quelle bande de bâtards. Bande de chacals. Ok, bah je peux me barrer de cette pièce de la mort. Bande de fils de pute. Oh, elles sont là. On voit un texto ou quoi? Casse les couilles, hein. Tac. Les bâtards. Ok, donc là... Thank you.
l'ouverture de la mort. Âme de la mort. Épée de la mort. Attends, du coup, je dois aller où là? Je dois lui mettre une épée ici. Ah ouais, j'ai 3 épées à récupérer, d'accord. J'ai un truc à récupérer ici. Ah ouais, j'ai 2 épées. Là-bas, ça fait quoi? Ah ouais. C'est quoi ce... Ah ouais, d'accord, attends. Venez, bande de schlag. Oh, ils sont sérieux là? Ils m'ont éjecté de la mort, ces bâtards. Mais non, c'est pas ce que je veux faire là. Ouais, d'accord, faut que je recommence du coup. C'est pas sérieux. D'accord. Je crois que quand t'es sur les bordures. Ok. Quand t'es sur les bordures, il veut pas faire le saut de l'ange. Hein. Tac. 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 Tac.
Ok, donc c'est tout ce que j'ai à apprendre. Non, là c'est pour me barrer. Alors, comment je fais pour prendre là-bas? Je pensais que je pouvais m'accrocher sur la paroi maintenant. En plus, il y a une épée là-bas. Oh putain, j'ai failli chuter. Ah ouais, tu grimpes encore, hein. Putain, ils sont sérieux. Je comprends pas pourquoi les bordures, tu peux pas décoller depuis une bordure, hein. Ok, donc là, coffre. Là, je prends l'épée. L'épée de la mort. Non? Ah oui, c'est pour remonter en vrai. Alors, faut que j'aille là. Ok. Ah donc là faut que je recommence tout là. Homme de bâtard. Ok, génial. Là, là, même là, il a pas pris le double saut avec la bordure de mort. Ok, donc là j'ai une épée à poser. La dernière elle est où?
Merde, c'était où? Là, je crois. C'est un piège? Ok. Une clé richement décorée sur laquelle est gravé le symbole d'un œil peut déverrouiller une barrière avoisinante. Ah ouais, c'est la porte dans la pièce d'avant. Ramasser 4 éclats de Kourou pour former un noyau de Kourou et augmenter le Kourou maximal de guerre. D'accord. C'est dans quelle pièce? Dans celle-là, je crois, non? Non, je suis arrivé par celle-là. Je suis arrivé par là, je crois. Ah non, c'est de l'autre côté, putain. Allez, tiens, bâtard. Troisième épée. Tiens, crève. Une porte, un mécanisme. Baston. D'accord. Le géolier. Ah.
Allez, tiens. Mais c'est sérieux ça, comment je le touche après? Ouais, il faut juste... je crois que tu peux pas le toucher quand il est allongé. Je pense qu'il y a un truc que j'ai pas compris en vrai. Recommencer. Qu'est-ce que ça me casse les couilles ça? Ah, faut peut-être péter péter les murailles là.
Allez, tiens, bâtard. Ok, c'est ouvert la porte. On se barre de là. On se barre de cette pièce cancer. Cancérigène au possible. Il n'y a pas de flamme là. Elle a du mal à crever ce bâtard. Alors donc là il faut une bombe. Ah, et puis il faut enflammer
Bam. Et ensuite, la muerte. Il est tard en vrai. Plongeons en diagonale bientôt, mon gars. Moi, je me barre d'ici. T'as rien fait là. Ça fait quoi? Tu es monté d'un étage? L'absorbeur de chaos se nourrit d'énergie et augmente sa puissance destructrice. Ouais, mais ça sert à rien, attends, ce que j'ai fait là-bas. Là. Au final. Ça m'a servi à quoi de venir ici? On a un truc. Ah, ça a actionné ici, ici, d'accord. Hein. Schlang. Non, ça va là. C'était juste, c'est des puzzles. C'est des petits puzzles, tu vois, mais j'avais pas capté les mécaniques. Le boss de mort, mec, il fallait juste lui lancer trois nunjaku là. Et quand il était au sol, tu vois, je lui mettais des coups, mais je pensais qu'il fallait faire autre chose, et en vrai, non.
C'est des trucs volants là qui sont casse-couilles. Des bâtards. Ok, donc là je peux passer direct de l'autre côté. Saut de l'ange. Saut de l'ange. Saut de l'ange. Ah mais j'ai... Quoique si je le nique, après je peux monter. Ah non, j'ai pas assez de fils de pute. J'avais pas assez d'âme. De mon épée n'était pas assez chargée quoi. Ah, c'est lui qui m'empoisonne avec son crachat de la mort. Allez, tiens, bâtard. Comment ils explosent comme des merdes. C'est des tumeurs géantes, mec. Il est sérieux là, là. J'ai vu la lumière là. Quelle bande de bâtards. La fuite.
Non, je vais essayer d'aller voir là. Ah non, mais là c'est pour revenir au départ carrément. Hein. Pour. Moi je suis arrivé par là en vrai tout à l'heure. Il faut que j'aille poser ma troisième épée. Mais c'était où? À droite, non? À droite, je crois. Mais comment je peux sauter là? Mais non, pas comme ça. Sérieusement. Bon, flèche à droite, il saute comme ça. C'est pas ça. Flèche du haut. Flèche du bas, ouais, il fait ça. Bon. Comment je fais pour aller de l'autre côté? Ah, ou alors je saute de la plateforme centrale direct, non? Me casser le cerveau là. Ouais, d'accord, hein. Pas comme ça. C'est pas sérieux, mec. Des fois le rebord. Dans le vent, mon gars. Alors attends, la troisième épée, c'était où? C'est par là? Suicide dans la lave. Un bâtard. C'est quoi ce truc? Congelé. Bordel, ta gueule. Attends, attends, attends. Ça s'est ouvert où là?
Non, c'est ouvert là, non? Là, je peux plus revenir en arrière en plus. Ah, la baise. Jean Valjean. Parce que si tu y tiens, cavalier, nous pouvons peut-être nous s'arranger. Ce n'est pas ce qui est prévu. Ah, une tumeur géante, Tiamat. Ah, c'est chiant d'appuyer sur Q pour viser à chaque fois là. T'es mort. Et je crois qu'il faut faire ça, faut lui mettre des bombes. Il faut lui mettre des bombes et après les enflammer et le faire exploser, ce bâtard. Bâtard de mort. Mec, ils lui ont coupé les cordes vocales. Allez, crève, bâtard. Merci infiniment pour ton soutien, Shokapik, Boursorama. Good night, mec. Good night. Moi, je tue le boss, et pareil. De pute. Fils de pute.
Il a spammé les... Il a spammé les émotes de la mort. Allez, viens, bâtard. Il est sérieux, là ? Ah, c'est lui qui m'a cramé. Allez, tiens, bâtard. Allez, tiens. Tiens tes ailes de mort, je les mange, bâtard. Samuel a besoin de cet objet doré, puissante énergie, d'accord. Voilà, mission accomplie. Cinématique. Tragique. Sans l'aide de ton ami à plumes, comment vas-tu t'échapper de cette prison de pierre? Je trouverai un chemin. Tu as sans aucun doute fait tes preuves. Tu es plein de ressources. C'est quoi cette voix? Cette voix moisie. Un chemin plus rapide. Parle clairement, démon. L'antre des serpents, des chemins anciens qui s'immiscent dans les confins de ce monde mort et au-delà. Je les emprunte pour me déplacer et moyennant paiement, tu le pourras aussi. Que veux-tu, Vulgrim? Une bagatelle, vraiment. Le cœur de Tiamat, j'ai senti sa puissance dès le moment où tu es sorti de cette tour. Tu me blesses, cavalier. Jamais je ne m'interposerai entre toi, mon ami de tes morts. Non, mon seul souhait est de poser mes yeux sur le cœur. Un regard et notre pacte est scellé. Samael sera ravi. L'antre des serpents Étienne, cavalier. Viens vers moi quand tu désires l'utiliser. Un ancien réseau de chemins reliant ce monde et l'au-delà. Trouvez les cercles de Vulgrim pour y accéder. Droit dans le cercle de Vulgrim pour utiliser la capacité entre des serpents. Cercle de Vulgrim. Tu
Tu as descendu, Tiamat, l'esprit. Le destructeur. Ce bon vieux Vulgrim. Ah, je peux aller le voir, d'accord. Quand je trouve un cercle. Là, j'ai 6400 trucs là. Ouais, je t'ai donné des points là, non? Ourou, arme, épée. Arme. Ça, c'est la faux. Massive et incurvée, de la faux massacre plusieurs ennemis en exécutant de larges attaques balayantes. Épée. Rotatif. Rafale de coups. Là, faut faire une pause. Clic gauche, pause, clic gauche. Circulaire, espace. Lui, météorite. Donne la guerre, impossibilité. Faire une rue aérienne, d'accord. Ah ouais, c'était ça la rue aérienne. Espace, c'est avant, salle gauche. J'aurais bien pris ça en vrai. Tu es tout aussi sage que puissant. Contre-attaque, augmente les dégâts de cette attaque, hypercute, maintenir clic gauche puis relâcher. Là, ça peut être pas mal. Tu cherches bien trop à négocier, l'ami. Mage gauche, S, gauche. Attaque de dos. Voilà un excellent choix. Maître d'armes, c'est quoi? Ça augmente les dégâts infligés par une attaque avec arme. Tu es voilà. Tout aussi sage que puissant. Lame ricochet permet à la lame boomerang de ricocher sur les ennemis lorsqu'elle est lancée. Ramasser 4 éclats de courroux pour former un noyau de courroux et augmenter le courroux maximal de guerre. Vide. Les vases peuvent être remplis de nombreuses propriétés bénéfiques, puis consommés. Exemple de l'essence. Ce bon vieux Vulgrim a quelque chose pour toi. La brume ricochet. Augmenter le nombre d'attaques par ricochet avec le boomerang. Ouais. La fosse est 1000. Ce bon vieux Vulgrim a quelque chose pour toi. Rafale gauche, clic droit, rafale de coups. Ah, t'as plusieurs types d'armes en plus. Peau de pierre, c'est quoi ça? Draine le courroux quand il est activé. Immolation consume les ennemis de guerre dans une barrière ardente de feu. Limite les dégâts subis. Tu es tout aussi sage que puissant. Tu cherches bien trop à négocier, l'ami. Quoi, ça a échangé des artefacts? Ce bon vieux Vulgrim. Ah, ça me donne des... Ok.
puissant, t'as le gauche, clic gauche. Voilà un excellent choix. Rage de mort. À gauche, clic droit, une rafale de coups. Tu es tout aussi sage que puissant. Espace, maintenir clic droit. Tu cherches bien trop à négocier, l'ami. Voilà un excellent choix. Et tu peux te barrer comme ça, quoi. Bon, elle est là, non? Ah oui, mais j'ai pas le... Ah ouais, d'accord. C'est comme ça que tu changes les armes. Ah ouais, là t'as tous les combos en vrai, putain. 15 000 trucs, mec. Espace. Ah ouais, avec alt gauche. Tac, tac. Maintenir puis relâcher. Gratte-ciel, maintenir. Pas puissant, alt. Gauche, mage, S, gauche, tranchant démoniaque. Attaque orbitale renversée. Trop d'attaques, mec, il y a trop d'attaques. Je vois plus mon personnage. Entre des serpents. Je pense à aller où? Rapporter le cœur de Tiamat à Samael. Ouais, mais il est où Samael?
Non, c'était pas là, non? Tant pis, je continuerai demain au calme. On a tué le boss. On a acheté des compétences. C'est l'heure de la diagonalisation. Sur ce, pirates, merci de m'avoir suivi et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Ciao, ciao.